Ça va? Alors, déguisement d'Halloween, c'est toi démaquillé? Il est où, Bob? Il arrive. Il va arriver. J'aime pas me déguiser. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Je suis pas très à l'aise. On a connu mieux. Un petit peu mieux. Alors, si je mets du rouge, un peu couronné, tu vois. Un peu malade, un peu. Bon. Il est pas bien là, le. Hein. Surtout, je suis quelqu'un qui se maquille parfaitement bien en plus. C'est pile poil ce que je suis. C'est faux. Le rouge, ça rend surtout bourré. Bah écoute, ça va être. En fait, ça va être un Bob Ross bourré qu'on va faire. Ah bah là j'ai l'air malade. Là, on a l'air malade, c'est bien ça. Je vais me déguiser en Bob Ross de l'enfer. Je vais mettre une perruque de Bob Ross qui est juste à côté. Ça va être dégueulasse. Je vais perdre toute reconnaissance dans ce live. Je sais pas pourquoi j'ai fait impression, mon nez. On l'avait dit, hein, Michel, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a aucun fichu sens. En fait, je voulais faire un petit, voilà, petit nez pointu dégueulasse. J'ai jamais fait ça de ma vie, clairement. Je crois que ça se voit, d'ailleurs. Un maquillage sauvage apparaît, c'est exactement ça. Merde, putain, les gens qui arrivent, ou les gens qui me découvrent, ou qui me connaissent pas, qui arrivent dans mes voisins. Qu'est-ce que je fous là? Bah, j'en sais rien, donc vous écoutez là. Bienvenue, les nouveaux. Ouais, c'est ça, bienvenue. N'a aucun fichu sens. Non mais ça me tue parce que vraiment il y a des meufs, elles sont gros, grave bombasses, tu vois. Elles font exprès Halloween pour être miaou. Putain moi. Tu vas finir seule. Si tu fais les cheveux crépus, ça peut être faire très glam rock. Non mais globulon, j'ai mieux. Est-ce que Iris va bien réagir en voyant tout ça? Pour l'instant, elle est juste en train de. Elle est en train de dormir comme un petit chien mignon. En vrai, les petites mèches coupées, ça rajoute quelque chose. Hey. J'ai coupé vite fait quelques petites mèches. Ça rajoute un petit bail. On dirait une grosse psychopathe. Bon, je dirais juste que je me suis roulée dans du charbon. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon nez maintenant? Dans le miroir, je me dis, ça rend quelque chose. Puis après, je regarde la caméra et la. Non, absolument pas. Ça rend rien du tout. Pourquoi j'ai fait ça? Et je suis censée être une streameuse catégorie art. Comment? Ça fait peur. Génial. Là, j'essaye de faire des ongles comme une fichue possibilité de barbe. C'est juste du noir partout, en fait. Juste une enfant. Est-ce que j'ai l'air de regretter? Tu viens, Riz? Tu m'accompagnes faire des conneries? J'ai jamais été aussi stylé. Ah, on dirait pas votre vieille prof de français. Jean René, quittez la salle, s'il vous plaît. Et moi aussi, je dis pas. Non, non, relève pas mes cheveux. Est-ce que tu m'aimes même comme ça? Je me sens être une toute autre personne. Je crois qu'elle est tombée amoureuse. Elle. Différent. Tu me trouves un peu différente? Ça va, Riz? Tu vas bien? C'est un bon live pour toi? J'ai l'impression que, voilà, ça va aller pécho de la femelle, assez fortement. Comment oses-tu critiquer le phare noir? Mais non, on est en train de bouffer ma perruque! Non! Non! Laisse mes cheveux en paix! Riz, elle aime pas la perruque, non du tout. Tu peux la tronche, tu peux la tronche, tu peux la tronche. Mais quel BG je suis! Bon, on est censé peindre, là. Rentre dans la peau du personnage. Putain, ça gratte cette merde en plus. J'ai perdu toute dignité, j'ai perdu tout charisme, j'ai perdu tout sérieux de cette chaîne. Je pense qu'on a perdu tout le monde. On est dans un live. Oh non. Oh, cette pose de BG que j'ai là. Kay est en train de péter un câble. Bah oui, mais en même temps. Ça gratte.
Bon, la peinture, soyons sérieux, essayons de créer une œuvre d'art qu'on va vendre des millions. Sortez l'acrylique, sortez les pinceaux, on va prendre du pinceau petit fluffy type Bobross. Je vais prendre le classico classique, hein, parce que rien de mieux qu'un classico classique. Le couteau, parce que le couteau Bobross, voilà, hein, pour une fois qu'on fait les choses bien. Alors, nous allons prendre de l'acrylique noir, blanc. C'est pour ça que je pense que je rentre aussi bien dans le personnage. Petit talent d'actrice parfois. Du rouge. Du jaune. Du bleu, il est où le bleu? Ça c'est un beau brosse, t'as vu là? Je vais suivre son truc, mais en même temps, je vais le faire en mode dark. Genre dark, genre dark. Je sais pas si vous avez compris, mais dark. C'est un peu moi ça en vrai. Non? Vous voyez pas? Vous trouvez pas? Je tiens à déclarer que je suis plus sexy. Un petit peu de sérieux s'il vous plaît, on arrête de se foutre de ma gueule ici. Oh là là, attendez, il y a déjà un fond noir, on va faire le fond noir. On va faire le fond noir mais très rapide. Non, le fond noir il est là. On va faire une toile d'arc. Ils sont où mes pinceaux? Hop là. Qui me parle encore? Putain Ricardo, tu m'envoies des photos, c'est quoi? Tu as pris des screens, tu viens de te foutre de ma gueule, c'est ça? Ça, c'était le bon bruit de la peinture. Un petit peu triste comme situation, je l'avouerai. Si vous voulez des conseils pour essayer de retirer le peu de dignité qui vous restait sur Twitch, venez me contacter. Il avait fait quoi? Du blanc là? Du blanc bleu bizarre? Pourquoi il fait du blanc bleu bizarre? Waouh, c'est magnifique! Non! Hop là! Il l'a pas fait jusqu'en bas! Merde! Crotte de bique! Je foire déjà! C'est que le début, je le foire déjà. Je blende, allez. Oh, on va faire des arbres! Moi, ça fait pas autant plus, hein. Ouais, petit arbre, petit truc là. Qu'est-ce qu'il fait là maintenant? Il s'est arrêté à faire ses branches là. Il fait plus ses branches. Regarde la vidéo en entière d'abord pour faire ce qu'il va faire, pour voir ce qu'il va faire. Non. Bienvenue au cours de Bobross. Pousse-toi, assis-toi, prends place. On dirait plus un savant fou que Bobross. Eh oh, ça va? Tu juges Bobross là ou ça se passe comment? Tu veux qu'on se fête? Bobross blond, c'est mignon. Ouais, ah, il prend du bleu. Attends-moi. Calme-toi, Bob Ross, calme-toi. J'espère que vous passez un joyeux Halloween. Moi, j'ai jamais été aussi... Ah, il a pris le couteau. Hop, le couteau, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il est au blanc? Mais il était au noir, il y a même pas deux secondes. Attends, frère, calme-toi. J'espère que tu vas vendre cette peinture parce que c'est collector. Oh, mon dieu de merde. Au level. Franchement, il y a un petit quelque chose. Ouais. J'ai pas spécialement envie qu'on me découvre comme cela. Je vais faire pipi caca, tu vois, on va dire pipi caca. Ce n'est des pipi caca sur la toile. Bonjour, je suis nouveau ici. Qui est cette personne? Incroyable. Qui veut pécho? Ouais, pareil. Hop là, des petits feuillages. Calme-toi, mon petit Bob. Oh, mais il est déjà fini? Quoi? Déjà fini? Attends, là, j'ai pas fini moi. Non. Ne juge pas, je sens ton jugement arriver. Oui, Kay, qu'as-tu fait de Kay? Bah, elle a disparu. Hein. Oh, il a signé. Moi aussi, je vais signer. Je vais faire un cas ici. Voilà. Alors, est-ce que Bobri Robounet Bobounet n'a pas fait une œuvre d'art fort J'avais pas vu la lumière. Le zoom. Allez, le zoom, le zoozim. Allez, viens, je t'emmène. On va, toi et moi. Hop là! Est-ce qu'on n'est pas sur une qualité approximative? Là, je suis pas peu fière de... La peinture, ça va. Toi, je sais pas si tu vas bien. Go la faire gagner. Oh. Regarde la peinture, go faire la perruque. Vous voulez gagner la perruque? Ah, ça gratte. Oh là là! Oh, je respire. Mais depuis tout ce temps, c'était toi! Cocoris, tu me reconnais maintenant? Tu me reconnais? Tu veux pas me voir? Tu préférais en Bob? T'es en train de bouder, c'est ça? Tu me reconnais? On est trop mignonne, elle est trop mignonne! Eh ben, heureusement que c'est pas comme ça tous les jours. Pour les 4000, live on Gog avec tirage au sort pour gagner ton oreille. C'est le tableau qui a été un peu bouffé par Riz en plus. Hein. Le respect, il est mort. Ça tombe bien, j'avais pas de cadeau de Noël. Acceptes-tu de recevoir de ma part
cette magnifique toile. Cette toile qui est, ma foi, fort belle. Oui, tu l'as... Ok. Eh ben, c'est à du j'ai vendu, Bistillon. Tu es l'heureux propriétaire de cette toile que je vais t'envoyer. Je mets pause, Cola, je reviens. Maybe right out here lives a big rock that projects out right there. Big old son of a gun. And you put a touch on it. I mean, just a touch.